Nous allons parler de la Guinée équatoriale. Malabo soupçonne une opération d'espionnage et de provocation de Paris. Nous allons également parler du Tchad. Grande manifestation contre la junte. Bénin Riki Amadougou saisit l'ONU sur les conditions de sa détention. Et on finit par le Togo. Humoin titre 27,5 milliards pour la relance post-Covid-19. Nos invités, Credo Tété, directeur de publication de Le Médium. Bonjour, Credo Tété. Bonjour, Michel. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour également à vous, Francisco Napokoura, journaliste freelance. Bonjour, Michel. Bonjour, Credo et cher ami Mayaba. Mayaba, d'accord. Et puis bonjour à tous ceux qui nous suivent. Mayaba Komi, directeur de publication de Le Soborna. Bonjour. Oui, bonjour Michel, bonjour le plateau et aux téléspectateurs actuellement qui nous suivent à travers le monde. Alors on commence donc par la Guinée équatoriale. Mouvement d'humeur, on peut dire oui, on sait que le fils de l'actuel président qui s'appelle Touadérin Obiang Nguema, vice-président de la République équato-guinéenne, a été condamné en France, riposte justement de Malabo. Six militaires français sont actuellement retenus à l'aéroport de Bata, la capitale économique de la Guinée équatoriale, après avoir posé leur hélicoptère Fennec mercredi pour se ravitailler en carburant. Credo Tété. Non, mais moi, on dirait que nous sommes face à une partie de jeu de dames, parce que ce n'est pas parce que le fils au président a été condamné à Paris qu'on va prendre en otage, ou bien ils disent le vocabulaire approprié qu'ils ont retenu, Français qui viennent se ravitailler en carburant. Moi, je crois que ça, c'est de la distraction, c'est de l'amusement. Est-ce que le fils a été injustement condamné? Est-ce que le fils n'a pas posé des actes du côté de Paris, même depuis Malabo, qui sont en conflit avec la loi pour mériter, disons, cette condamnation? Et je me pose également la question, le fait de retenir les six militaires à Bata, est-ce que c'est cela qui va changer la décision de justice? Donc je crois que c'est une instrumentalisation en fait d'une certaine base pour essayer de peser afin de voir enlever ou bien annuler cette condamnation. Mais c'est une mauvaise piste que de faire ce genre de manifestations, ce genre d'actes qui ne vont pas honorer, la Guinée équatoriale, mais qui ne font pas de la bonne publicité aussi au père, c'est-à-dire au président Théodoro, parce que c'est son fils, et je ne pense pas qu'on l'ait accusé gratuitement. Est-ce que lui-même n'a pas prêté le flanc? Est-ce que ce n'est pas une friction d'une certaine dynastie qu'on veut mettre en place et qu'on ne voudrait pas, que l'opinion ne voudrait pas voir? Donc maintenant, quelle sera la réaction de la France par rapport, au maintien ou à la retenue de ces six militaires? Donc et ça va amener, beaucoup plus de friction dans la diplomatie entre la France et puis la Guinée. Vous pensez également, Francisco Napokoura, à une riposte de la part de Malabo? Non, mais je vois, c'est un jeu du tic au tac. Et quand on voit comment ça se passe, et puis, en fait, je crois que la Guinée a pris ça de la France. Hein, et lorsque, tout dernièrement, au niveau du Mali, le colonel Assimi Goïta et ses hommes ont pris le pouvoir, la France a menacé de retirer, n'est-ce pas, ses militaires. Et quand on voit au niveau également de la Centrafrique, lorsque le président centrafricain avait décidé, n'est-ce pas, de faire appel à la Russie, hein, pour le maintien de la sécurité du pays, et la France était allée jusqu'à, suspendre ses appuis budgétaires à la Centrafrique. Donc aujourd'hui, il se fait que le fils, hein, le vice-président de la Guinée équatoriale, qui a été, condamné, hein, parce qu'il y avait un appel de jugement de la France qui avait jugé, n'est-ce pas, le fils, hein, qui avait fait sortir illicitement de l'argent, hein, de la Guinée, hein, pour aller, n'est-ce pas, orner les palais, les châteaux en France.
Et donc, et il a été condamné, ses biens devaient être saisis. Et voilà, et la Guinée aussi, n'est-ce pas, qui est en train de riposter, n'est-ce pas, en prenant en otage, on peut dire. Hein, militaire. Voilà, parce que, en fait, le jugement dont il s'agit ici, et on ne peut pas dire que c'est arbitraire. Et ce n'est pas arbitraire, puisque c'est déjà arrivé une fois au fils, hein, lorsqu'il voyageait sur le Brésil, c'est avec beaucoup hein, de magots, hein, y avait beaucoup de lingots d'or, des montres bracelets, de l'argent en liquide, alors que la loi brésilienne fixe, n'est-ce pas, des modalités d'entrée, d'accord ? Et même partout d'ailleurs, lorsque vous voulez transporter autant de richesses, hein, on n'accepte pas, même dans un avion, parce que vous avez, il y a le risque qu'on puisse détourner cet avion. Voilà, voilà que lui, il en a transporté, il est arrivé au Brésil, quand les Brésiliens ont bloqué, les Brésiliens ont dit, ok, passez tel jour, si vous ne justifiez pas l'origine, ça devient les biens, c'est-à-dire du trésor brésilien. Ouais. Et ça a été consommé. Et on n'a pas vu quelque part où ils ont saisi le Brésil, ou bien pris en otage le personnel, ou bien des militaires brésiliens. Bon, ici, c'est la France qui a ses nez partout, hein, qui a ses nez partout, sinon, et ce ravitaillement, les militaires français en train de se ravitailler hein, sur ce territoire, eux aussi, ils n'ont pas, voilà, ils n'ont pas été prudents, parce qu'ils devaient savoir qu'il y a déjà un conflit hein, entre la justice française, n'est-ce pas, et l'État, là, qui, disons, se comporte, n'est-ce pas, comme un État dictatorial. Voilà, donc ce qui devait arriver est arrivé, mais on va voir si la Guinée peut maintenir le cap. Alors, comme Imayaba, voilà cette réaction de Malabo, c'est par rapport à la condamnation du fils du président ou bien la condamnation du vice-président de la République. Au fait, le sujet est un peu hein, diversifié. Quand vous regardez un peu comment ça a commencé avec le fils du président hein, qui était jugé, qu'on jugeait en tant de bien mal acquis. Et donc les confrères ont abordé le sujet. Je crois que c'est le mode de vie hein, des Africains, de certaines personnes qui amènent à ce genre de situation. Mais sauf que dans ce qui s'était passé, puisque quand on condamnait le fils du président par rapport à un immeuble qu'il a construit, qu'il a érigé peut-être en ambassade de la Guinée en France, que la France dément. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont allés dans le tréfonds du sujet et ont trouvé que, puisque après qu'on ait accusé Malabo de cette situation, Malabo a porté plainte contre la France et contre la France justement, et récemment, je crois que la Cour internationale de justice a tranché en faveur de la France. Et donc c'est ce tombouillogo qui a amené maintenant la réaction de Malabo ou de la Guinée équatoriale pour poser ce genre d'acte. Mais je crois que c'est un acte malsain. Ça ne devait pas se passer ainsi parce que aujourd'hui, ce n'est pas parce que le Togo a été condamné. Je prends un exemple, je dis bien, je pense que le Togo a été condamné pour une situation qu'un Togolais ne peut pas quand même rester sur un territoire togolais. Ce n'est pas comme ça que les batailles doivent être rangées. J'estime que, et comme vous l'avez posé, et comme vous avez posé la question, savoir est-ce que Malabo ou bien la Guinée équatoriale peut tenir le cap. Bon, cette façon de faire la chose, je crois que ça ne peut pas donner une crédibilité aux yeux du monde, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez régler une affaire entre pays, inter-État, ça ne doit pas se reposer sur des personnes. Il faut véritablement que la justice fasse son travail, qu'on laisse des personnes libres de leur mouvement sur tel ou tel territoire pour que cette situation, qu'on ne puisse plus assister à ce genre de situation. Sauf que la Guinée équatoriale aujourd'hui, quoi qu'on dise, par rapport à la gouvernance à l'époque du fils du président équato-guinéen aujourd'hui, qui a été dans les entrailles et sur tous les plans, aujourd'hui, le verdict est tombé, il a été condamné. Maintenant, qu'est-ce que Malabo ou la Guinée équatoriale va faire pour peut-être redéfinir les dimensions, pour qu'il y ait un équilibre entre les États? Parce que
Vous savez, quand vous êtes aux affaires et que vous ne posez pas de bons actes envers les pays, enfin, et envers d'autres pays, je crois que ça peut rattraper. Parce que vous qui êtes encore aujourd'hui au pouvoir, demain, vous ne serez pas là. Ouais. Mais les relations inter-État existent toujours. Il ne faut pas briser ces relations, mais il faut maintenir le cap pour que des situations comme ça, qu'on ne puisse assister. Parce que ça frise même l'opinion nationale et internationale. Le crédit d'OTT, c'est inquiétant parce que Théodore Obiang-Nguema, on a eu à le sentir également en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, également saisi par la justice américaine. Et tout à l'heure, Francisco Napokoura parlait également du Brésil. Oui, donc il faut dire que c'est quelqu'un qui collectionne les problèmes. Et son papa essaie de le couvrir. De le couvrir. Oui. Ce n'est pas fortuitement qu'on lui a donné ce poste de vice-président. Oui, effectivement. Ça pouvait ça le, couvre, le couvrir, le protéger. Donc aujourd'hui, il a vu que même si Amalambo s'est tellement bétonné qu'on ne puisse pas parler, il y a la justice internationale qui est rentrée en jeu. Donc c'est là où je m'interroge sur la sur le soupçon de Malabo par rapport à la provocation. Parce que, et on dit que Malabo soupçonne une opération d'espionnage et de provocation. La provocation, est-ce que c'est la condamnation du fils du président ? Sans doute. Est-ce que l'espionnage, c'est le fait que la machine des sécuritaires se soit posée à Bata ? Est-ce qu'il n'avait pas connaissance du plan de vol ? De vol, voilà. Il y a ça. Du ravitaillement. Du ravitaillement. Donc, je crois qu'on est en train d'enfumer l'opinion pour essayer de régler un autre problème. Mais ça sera beaucoup plus préjudiciable à la Guinée équatoriale. Parce que dans ce jeu, la France aussi va durcir sa position, disons, à court terme. Pourquoi est-ce que je dis à court terme ? Parce que la France va faire comme elle est sourde, donc elle ne va pas réagir dans le feu de l'action. Donc c'est une stratégie aussi pour voir jusqu'où celui que j'ai en face pourra aller. On connaît aussi la réaction des Français en cas de détention de leur... Ils sont prompts. Non, mais c'est vrai qu'il y a la promptitude. Vous allez voir que la situation va se décanter. C'est la Guinée équatoriale pensait que ça pouvait enclencher un certain dialogue où ils vont exiger en retour que cette affaire soit classée ou bien qu'on fasse un autre jugement et qu'on blanchisse le fils du président. Mais connaissant aussi la ruse des Français, vous allez voir, la priorité aujourd'hui pour le président français, c'est d'arriver à libérer ses 6 militaires. Et lorsque la libération sera effective, cela ne voudrait pas dire que la rancune n'y est plus. On appelle en politique et en diplomatie, il y a ce qu'on appelle, on peut l'assimiler à la rancune diplomatique. Donc la personne n'est pas obligée de te dire ce qu'elle est dans le ventre, mais de t'afficher. Mais vous allez voir que c'est sur d'autres chantiers que vous... Même quand vous prenez... Politique, la France est tellement, est tellement prompte à le faire. Et vous allez voir les retombées ou les conséquences de ce... De ce bras de fer. En otage de 6 militaires français, vous allez voir que ça sera préjudiciable. Non seulement... Quand vous prenez même la Guinée équatoriale, c'est un pays qui est dépendant, qui dépend beaucoup de l'extérieur, en approvisionnement, de partout. Donc, il suffit de lancer un petit embargo quelque part, et ils auront des manques même à... Pas forcément de la France. Guinée équatoriale, c'est un pays riche, ça comprend. Oui, mais qui dépend beaucoup, qui importe beaucoup. Riche, Si, mais qui importe... Bien que ce pays soit riche, mais ce pays ne peut pas vivre... Qui importe beaucoup. Oui, la Guinée équatoriale a toujours besoin de l'extérieur. Ouais. Voilà. Donc c'est là où, en fait, la France ne va pas déclarer noir sur blanc. C'est tout. Il y a embargo. Oui. Vous savez, il y a toujours les réseaux. Donc les réseaux seront mis en branle et on va affaiblir même ce pays, même sur le plan de l'économie. Ouais. Si la France, qui aura sûrement le soutien d'autres pays... De l'Union européenne. De l'Union européenne, ils vont essayer de compliquer la vie socio-économique dans un premier temps. Ne soyez pas étonnés que qu'on assiste à des mouvements de société par rapport même contre ce régime. Donc ça peut arriver. Donc ça sera la première étape et la première surprise. Maintenant,
L'autre conséquence, ça sera sur vous le plan politique. Vous avez une minute. L'autre conséquence pourrait être également sur le plan politique. Mmh. Vous allez voir les chamboulements qu'il y aura, sur les complications politiques même du côté de la Guinée équatoriale, ça va arriver. Ouais. Donc c'est là où la France va donner la leçon à la Guinée équatoriale. Mais cela ne va jamais enlever la condamnation de ce fils à papa. Mais ce qui vient de se passer même, de se passer en France, c'est, ça va servir de jurisprudence pour les autres pays, les autres, également, qui vont rentrer dans la danse, dans les saisies. Et puis, également, ça va toucher également d'autres cas d'accumulation où des gens ont sorti illicitement des sous énormes. Quand vous voyez ce dont les accusent, mais vous voyez même dans nos pays, les gens qui ont laissé des châteaux et des véhicules qui sont restés, c'est la poussière. Mais c'est la même chose là-bas. Ils ont transporté pour aller déposer là-bas. Donc, aujourd'hui, les Européens ont trouvé. Il y a ça dans notre pays ou bien vous parlez de notre pays? Non, il y en a ça partout. Il y a ça partout. Que ce soit au Togo, que ce soit au Sénégal, partout. Mais donc, attendez. Oui. Maintenant, ce qui va. 10 secondes, étant donné que c'est une loi qui est en train d'être votée, par exemple, en France, pour pouvoir rapatrier des choses là, pour pouvoir financer l'économie, ça veut dire que le développement, ça va dire que ça va aller en s'accélérant, que ce soit en France ou ailleurs, pour pouvoir même, comment l'appelle-t-on, décourager tous ceux qui sortent illicitement l'argent qui devait permettre de développer nos pays, devait permettre de financer nos économies. Allez, on va marquer la petite pause, on revient juste après.